Ça fait combien de temps que tu fais de la guitare déjà? Parce que tu m'as donné les chiffres tout à l'heure, il est tellement énorme que... Largement un demi-siècle. C'est vrai. Et toi, Michel? Alors, j'avais fait une erreur tout à l'heure d'une année, 57 ans que je joue de la guitare. Et j'aime bien présenter la guitare parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas l'occasion d'écouter la guitare classique. Et qu'une guitare classique, on peut tout faire. Pas une guitare quand on a fait une formation de classique. On peut tout faire, vous voyez, même une bossa nova, c'est ça. Tous les sons. Comment? Tous les sons. Tous. Ouais. Toutes les musiques, en fait. Absolument. Oui, ouais, c'est joli. Ça fait penser à un musicien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il est décédé ça fait quelques années déjà, Atahualpa Yupanqui. Et quand j'ai connu Michel, très rapidement, je lui ai dit, oh, toi, tu as subi l'influence d'Atahualpa Yupanqui. Il m'a dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un des plus grands guitaristes qui n'ait jamais existé. Enfin, il y en a eu plusieurs, il y en a eu Segovia. Mais Atahualpa Yupanqui avait quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il était gaucher d'abord, ce qui n'est pas courant. Et en plus, il chantait en jouant de la guitare. Et ça, je trouve que c'est pas toujours si évident que ça. Particulièrement si on peut... Ça, c'est facile, on chante, on joue, ça c'est facile. Mais faire des belles pièces pour guitare et chanter en jouant de la guitare, c'est autre chose. Valse triste. Les yeux perdus à l'infini, passant
de lui dire bonjour, et le breton te sourira. Dis-lui que tu viens de la ville, dis-lui que tu as de l'argent, et le breton te répondra. Que les siens sont partis là-bas, quelque part au fond de la ville, en attendant un logement. Ils partent pour le matin, ils ne reviennent que tard le soir, ils s'endorment et ne rêvent pas. Là-bas le ciel, il est si noir, on ne sait plus vraiment très bien, s'il fait soleil ou ne pleut pas. Ils crient, ils hurlent, ils manifestent, ils pillent, ils brûlent et ils protestent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ici on ne conteste pas, ici l'air est serein et tout, passant vient boire un cidre doux. De la Bretagne, dont il est fier, de son bateau et de sa mère, alors passant ne sourit pas. Alors passant ne sourit pas. Il y a un barman en profiter. Oui, c'est ça. Ça.